Il faut gagner d'un côté comme de l'autre entre Lyonnais et Oyonnaxiens. Défaite interdite dans cette partie. Les conditions sont idéales pour pratiquer du beau rugby. Oyonnax, la semaine dernière, a pratiqué du beau rugby à Toulouse. Ça n'a pas suffi pour ramener des points. Mais ça doit évidemment leur donner envie face à une équipe lyonnaise qui reste là aussi sur un succès solide. C'était contre La Rochelle la semaine dernière, ici même. Et qui a évidemment moins de garantie que Toulouse, qui a affronté, je le rappelle, Oyonnax la semaine dernière. La première chandelle d'Alexandre Tchapchet. Et il sera à la retombée malgré la présence de Loïc Credoz. Mais on n'est pas à 10 mètres. On n'était pas bien positionné hors jeu côté lyonnais. Et manifestement, Féao Fotouaïka. Première pénalité dans cette partie déjà. Et elle est à l'encontre des partenaires de Baptiste Couillou. On peut mettre un genou au sol et bon sol s'il nous attaque taxi. Ça vous dérange pas? Non, mais c'est juste. Je sais pas ce que c'est que taxi donc. Ouais. Par contre, j'ai pas le choix, je sais pas. Capitaine? Capitaine? Pardon. Un petit peu de temps. On a vu Alban Roussel venir poser des questions à monsieur Pradri sur la manière de pouvoir jouer les rucks. Jouer à l'image. C'est quoi, le manager de cette équipe de Lyonnax. Oui. Du coup, on peut pas rester sur nos appuis. À partir du moment où ils sont responsables et que eux, c'est pas légal. C'est bien. Fotouaïka qui est sanctionné. C'est pas reculé assez vite, selon monsieur Pradri. Ça donne déjà bien la première possibilité de marquer. On a pris les points du côté de Domingo Miotti. L'ouvreur argentin sur la ligne médiane n'est pas tout à fait centré en plus. Elle n'est pas facile, cette première pénalité. Mais il y aura la précision et il y a surtout la puissance. Elle est magnifique, cette pénalité de Miotti. Le premier qui est à côté de vous. Si vous n'y arrivez pas à le faire tomber, vous n'allez pas chercher plus loin. Ok ? Oui ? Et ça fait 3-0 d'entrée en faveur de Lyonnax. Ils sont à l'extérieur bien évidemment et ils vont prendre tous les points possibles et maintenant les Lyonnais le savent. Chaque dedans. Chaque faute dans leur moitié de terrain pourrait être synonyme de 3 points. Ouais, une fois le jeu au pied, on lâche. Charlie Cassan. Ramener le jeu dans le camp lyonnais, juste sur la ligne médiane. Allez, viens. Avec une première touche à effectuer. Et Aubert 2 et les remplaçants lyonnais. Évidemment, concentré pour l'instant. Ils partiront s'échauffer d'ici quelques minutes. Le lancer, Yann Koltman. La prise de balle très bonne de Théo William et on peut lancer le ballon porté peut-être. Ça n'avance pas du tout terminé pour l'instant et cette avantage, fois ça y est avec Théo William et la pénalité contre Oyonnax. Cette fois il s'est joué rapidement bien évidemment par Baptiste Couillou qui crochette et qui navigue magnifiquement dans la défense d'Oyonnax. Il a essayé de lâcher son ballon après contact. Là-bas, un rouge qui effondre. Ce sera une touche pour les joueurs de l'Ain. Et pour Benjamin Gélédan. Déjà, cette envie toujours de faire mal à l'adversaire, de profiter de sa vitesse et de sa vivacité. Baptiste Couillou se molle effondré. Et du coup, il en a tout de suite profité, l'international français. Le lancer, Gélédan qui vient trouver Loïc Credoz. La charge des avants désormais pour donner un petit peu de profondeur à Charlie Cassan. On est dans les 22. Passe ratée à cet endroit. La charge de Vautoa maintenant. Et on va en passer par le pied de Charlie Cassan. Protégé par le petit train, notamment Hugo Fabregue. Oh,
Niachvili, parfait sous ce ballon, qui a réussi à bien libérer. Coltman maintenant, la grosse charge soutenue par Fotou Aïka. Ce ballon relevé par Jérôme Rey. Et on donne de l'avancée à ce jeu du loup. Un peu plus dur là pour avancer pour Théo William. On vient quand même à lâcher le ballon. Kouyou avec à hauteur de Paddy Jackson, Vincent Ratez. Kouyou qui renverse le jeu de nouveau. Et temps de jeu qui s'enchaîne, il cherche des solutions. Paddy Jackson à hauteur avec Michael Guillard. Et Kouyou dans le même sens cette fois avec l'accélération de Maracou. Ça progresse petit à petit. De nouveau Michael Guillard, il est très présent pour l'instant. Jackson avec Coltman, attendu par Vautoam, qui retrouve son ouvreur. Maracou qui est repassé de l'autre côté maintenant, qui vient naviguer face à Ikpefan notamment et qui est mis au sol par Théo Millet. Coup de sifflet contre les Lyonnais. 14, lâché. Sortez. 7 noirs. Contre Vincent Ratez. Sur le côté. Ah non, j'ai cru qu'il parlait à Vincent Ratez, mais c'est Liam Allen qui a été sanctionné après cette belle chevauchée de Maracou bien pris par Théo Millet. Et oui, on voit que Liam Allen est arrivé complètement de travers sur ce coup-là, sur Ikpefan en l'occurrence. Et donc nouvelle pénalité contre le Loup. Alors cette fois, il n'y aura pas 3 points. On laisse couloir les gars. Deuxième bloc, on laisse couloir. Allez, la bonne prise de balle de Félix Batty et la charge des joueurs de Lyonnais. Pour l'instant, ils n'ont pas été dans le camp lyonnais. On joue la 8e minute. Non, stop, stop, monsieur, stop, monsieur, stop. La pénalité qui a amené les 3 premiers points du match, c'est parce que les Lyonnais étaient hors jeu. En l'occurrence, Fotou Aïka, le très bon travail de Niachvili qui trouve le soutien d'Alfred Parisien maintenant. Avec Alban Roussel, Paddy Jackson, le premier coup de pied de la part du buteur lyonnais. Un petit peu long. Oh, Daniel Ikpefan, attention. La faute de main, c'est en arrière selon Monsieur Pradry. Il s'en sort très bien. Les liés aux Lyonaxiens, ça va permettre de dégager, même si ça va vite revenir avec Chapchet, attendu et qui a pris un énorme tampon. Un énorme tampon de la part de Rory Grice, me semble-t-il. Évidemment, ça s'échauffe un peu. Il reste au sol, hein. Il reste au sol, Alexandre Chapchet. On espère que tout va bien. Monsieur Pradry, lui, là, n'a rien vu sur le plaquage. C'est en train de parler fort là entre Michael Guillard et Liam Allen. Ça discute également entre les numéros 5, Hugo Fabregue et Alban Roussel. Félix Batty est là également. Et ça, dans un match sous tension, ça va évidemment pas calmer les acteurs sur le terrain et ceux des tribunes. Je pense que Monsieur Pradry va vouloir revoir évidemment ce plaquage. Donc ici le plaquage sur Alexandre Chapchet. Arrête le jeu pour la sécurité du joueur. Ouh, il y a quand même. Mais pour moi, sur le terrain, aucun jeu déloyal. Pas de jeu déloyal pour lui, mais il y a quand même ce bras là au niveau du cou d'Alexandre Chapchet. Mais on va faire appel à les vidéos, il y aura protocole évidemment pour l'arrière lyonnais, c'est évident. Dis-moi qu'on veut tout vérifier. Et Vivien Pradry qui appelle Mourad Zitouni à la vidéo. Donc un jeu déloyal au niveau du plaquage sur le 15 noir. Lui qui va aller voir tout ça bien évidemment. De Chapchet.
sur ce ralenti là on verra pas grand chose, sur celui là ce sera plus parlant évidemment, les sifflets qui tombent des tribunes. Coupé net dans son élan, hein. Chapchet tout simplement par Rory Grice. Cet angle là moi me paraît le meilleur, Mourad. Et sur cet angle là, donc on voit de dos, moi je viens bien, 1, 2, 3, pardon, je vois bien les bras du joueur travailler, d'accord, du 8 rouge, je vois bien les bras travailler. Et pour moi les bras sont au niveau des épaules, du haut des épaules. Et pour moi, il n'y a pas de jeu déloyal, il n'y a pas de plaquage de haut, pas de contact direct à la tête et pas de jeu déloyal. Ici, stop, on voit très bien le bras pour moi du joueur, donc avec pas de contact au niveau de la tête, et on voit très bien le bras au niveau du haut des épaules, donc pour moi j'ai pas de jeu déloyal. Oui, monsieur Pradry qui après Oui, pour moi l'attitude du plaqueur me convient parce que je le trouve baissé, et si tu veux me le repasser, mais pour moi je le vois assez bas et dans une position légale. Alors pour monsieur Pradry, il n'y a pas de jeu déloyal, donc il veut revoir quand même. Et on a vu tout de suite hein, la réaction, c'est sur cet angle-là que l'on voit la réaction de Domingo Miotti, numéro 10. Pour Ionaxien qui, on l'a vu, se tient la tête dans les mains. Je ne vois pas de jeu déloyal dans cette action. Donc pour moi, ma décision, c'est jeu. On redémarre sur la mêlée. Donc à la vidéo, on a examiné le potentiel jeu déloyal. Est-ce qu'il y a un contact à la tête? Pour moi, non. Est-ce qu'il y a un jeu déloyal? Pour moi, non, puisqu'il le prend en haut des épaules. Donc pour moi, c'est faire sur la mêlée. En revanche, capitaine, là-dessus, je prends mes décisions, d'accord? Je ne veux pas voir numéro 5 et votre numéro 7 venir envenimer la lettre. Il y a un contact qui est dur, ok, mais par contre, en revanche, qui sert à là? Bien sûr. Il reste donc sur sa décision. L'impact trop haut, que c'est une raison de convulser. La convulsation peut venir justement d'un impact qui est dur, même au niveau du sternum. Donc pour moi, il n'y a pas de jeu déloyal, c'est mêlé pour vous. Mêlé. Et donc, il n'y aura pas de jeu déloyal, il n'y aura pas de plaquage dangereux. Ça ne plaît pas ni à Alexandre Chapchet qui s'est... relevé, qui est dans les tribunes, remplacé par Kyle Godwin, peut-être provisoirement, peut-être pas. Fabien Gengenbacher qui comprend pas bien dans son assistance non plus. Évidemment, dans les tribunes, ça n'a pas fait plaisir, on l'a entendu. On a vu un Baptiste Couillou qui disait qu'il y avait eu des convulsions. Ce qui n'est pas suffisant. Flexio. Pour signaler un jeu déloyal selon monsieur Pradry. On repart sur une mêlée. Allez, on est reparti. Ça va évidemment exacerber les tensions. On s'est sorti petit côté avec l'accélération de Niniashvili qui fait mal et qui résiste au plaquage de Pedro Bettencourt et qui finalement se fait arracher le ballon. Le ballon vers l'arrière. Et ça va profiter à Justin Bourreau. Non, 15, mais au sol. Finalement, on a mis les mains au sol. Alors, 13 et noir, vous mettez les mains au sol avant de gratter le ballon. C'est Fred Parisien qui est pénalisé. On a eu une superbe course de Niniashvili qui a résisté hein, à Miotti, puis à Bettencourt avant de se faire arracher le ballon. Et voilà le centre lyonnais qui a commis cette pénalité. Et qui permet à Oyona de se dégager, mais toujours pas de sortir de son camp parce qu'on débute la 10e minute de cette partie. Ils mènent 3-0, les joueurs de Joelab. Ils n'ont toujours pas tenu le ballon dans le camp lyonnais. Tout simplement, il y a eu cette pénalité sur la ligne médiane, magnifiquement transformée par Miotti, mais c'est tout. Entre guillemets, c'est tout, bien sûr. Une prise de balle de la part de Loïc Credoz et ce ballon porté qui pour l'instant ne franchit pas vraiment la ligne médiane, complètement à l'arrêt. Charlie Cassang qui va pouvoir sortir ce ballon et qui va jouer au pied avec Gavin Stark peut-être à la réception, qui a essayé de
toucher ce ballon en arrière, c'est bien fait avec Miotti. Le petit coup d'œil pour Daniel Ikpefan et ce coup de pied qui sera récupéré par Niniashvili, chassé dans son propre en but. Marakou maintenant qui résiste à Ikpefan mais qui est stoppé par Bati et par Miotti. Ils sont en difficulté les Lyonnais, sous pression dans leur 22 mètres, dans leur en but même. Allez, Paddy Jackson au bout de l'en but pour un coup de pied qui ne va pas donner énormément d'air au Loup. Très très belle occasion, très très belle action de la part des Oyonnaxiens avec ce petit coup de patte de Gavin Stark pour remettre le ballon. Il a bien gêné Alfred Parisien, j'ai l'impression que c'est plus le Lyonnais qui fait un en avant. Et Miotti qui a tout de suite joué la transversale de l'autre côté pour Ikpefan. Très très bonne couverture de Niniashvili et de Marakou parce que à cet endroit là c'était évidemment très dangereux. Avant évidemment donc le dégagement au pied de Paddy Jackson, la prise de balle de Félix Bati, ouais, qui a été bousculé alors qu'il était encore en l'air, j'ai l'impression. Nouvelle pénalité contre le Loup. Et monsieur Pradry qui appelle une nouvelle fois le capitaine lyonnais, j'ai l'impression. Baptiste Couillou, ça fait beaucoup de fautes, ça fait déjà 4. Contre votre équipe, d'accord. Là, ici, c'est le 3 et le numéro 5 qui pousse avant que le ballon soit en bas. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Voilà, hein, Baptiste Couillou qui est touché hein, au bras gauche, on le voit, il a un bandage. Il avait l'air de s'en plaindre au moment de la... Juste avant la touche. J'espère que ça va aller évidemment pour le demi de mêlée lyonnais, pour lui et pour son équipe. Pour l'instant, c'est Miotti et Oyona qui sont à l'attaque et qui font un gros début de match et qui pour leur première incursion dans le camp lyonnais avec le ballon, eh bien font très très mal avec eh bien là cette nouvelle touche à 5 mètres à venir. Le lancer, Benjamin Gélédan, pas de Félix Bati cette fois, c'est Loïc Credos qui est choisi. Et le ballon porté qui est emmené, le camion yonaxien conduit par Benjamin Gélédan qui avance de côté. On y va avec les arrières, les trois quarts qui viennent donner un coup de main. On est en train de se rapprocher de cet en but, on est en train de se rapprocher du premier essai du match. Il va falloir aplatir, bien évidemment. Est-ce que c'est bon pour Miotti? Ça l'est, pas pour monsieur Pradry. Le voilà. Non, lâché. Puisque lâché. Un Lyonnais, et en l'occurrence, lâché. Je pense que c'est Michael Guihard, a réussi à se mettre dessous. Ça continue à s'écharper un petit peu entre les deux équipes. On revoit, enfin, il y a une forêt de jambes de toute façon, très difficile d'y voir quelque chose de précis. Monsieur Pradry a pris sa décision. Ah, Loïc Credos, il était en belle position. Il a absolument rien maîtrisé de cette action, le numéro 7 d'Oyona. Le dégagement d'Embu de Paddy Jackson avec le superbe réflexe d'Ikpefan pour passer sous le bras de Vincent Rathès et éviter le plaquage de l'ancien Montpelliérain et Rochelet. La charge de Rory Grice. Oyona qui est toujours en train de pousser. La petite Chistera, c'est bien fait, retour intérieur de la part de Charlie Cassan qui va repartir dans le même sens avec Miotti. Il avait trouvé Hugo Fabregue sur sa route. Bautoa mis au sol à nouveau. Ils sont en train de reculer là sur les impacts. Bétancourt, la passe sur un pas. 6. Il est pas pour Théo Millet, mais la pénalité avec l'écran de Vendry Picot. Qui est venu gêner Jérôme Rey. Et c'est ce qui avait permis donc à Bétancourt sur un pas de trouver son alter ego du centre Théo Millet et de créer le décalage et de forcer le passage dans cette défense du Loup qui était bien en place là. Il peut jamais attraper le ballon. Rouge. Et qui permet donc au Loup de se dégager et de trouver une touche sur la ligne des 40. On est de retour dans le camp des visiteurs. Coltman avec la bonne prise de balle de Théo William, Guihard, Couillou avec Jackson, la charge de Kyle Godwin. Oh,
Debout. Neuf foot. Il faut tout Aïka maintenant. Avec Guillard, toujours très présent. Jackson, Niniashvili, qui va aller chercher sur l'aile. Alfred Parisien, ils échangent un peu les postes. Hein. Parisien et Niniashvili, pas d'en avant selon Monsieur Pradri. Fini par aller trouver. Aller au sol, le retour intérieur, c'est bien fait pour Coltman. Avec le soutien toujours de Baptiste Couillou, qui a trouvé sur sa passe un adversaire, en l'occurrence Tommy Reynaud. Et il a fallu cette interception pour Oyonna, car le loup se rapprochait vraiment à cette superbe combinaison entre Alban Roussel et Liam Coltman, qui est venu trouver son capitaine Baptiste Couillou, toujours présent hein, lui aussi, à l'image de ce que montre Antoine Dupont depuis tant d'années, Baptiste Couillou. Mais Oyonna s'en sort, et Charlie Cassan qui va donner un bon coup de pied, mais qui ne trouvera pas la touche. Attention, Maracou pour relancer. Évidemment, Niniashvili pour faire parler les cannes. Et la vitesse surtout. Il va vite. Il est attrapé malgré tout par Théo Millet. Gros déblayage de la part de Godwin, mais on a un petit peu plongé. C'est Vincent Ratez qui se trouve dans l'œil du cyclone, Monsieur Pradri. Il y a une autre pénalité. Nouvelle pénalité, la cinquième contre Lyon. 14. On est au quart d'heure seulement. 14. Oh, 14. Ça va être. Arrêt du temps. Ça va être carton. Eh oui, il sort répéter, le. Carton jaune. C'est le carton pour Vincent Ratez. Lyon est à 14. On l'a vu. Cinquième pénalité, hein, c'est bien ça. La cinquième pénalité contre le loup. Mais Vincent Ratez qui paye un petit peu pour tout le monde. Et qui laisse ses partenaires à 14 pour les 10 prochaines minutes. Début de match très compliqué entre la sortie d'Alexandre Tchapchet, les pénalités à foison, l'indiscipline à foison. Et désormais on a ce carton jaune. Et puis n'oublions pas que Lyon est toujours mené. Julie était réconforté par Paddy Jackson. Fabien Gengendacher qui pour l'instant reste stoïque malgré tout, ça doit bouillonner sous la casquette un petit peu. Les Oyonnaxiens qui attaquent désormais avec Vaotoa. Charlie Cassan qui vient chercher Benjamin Gélédan maintenant. Ça tient bien pour le moment du côté lyonnais encore. Millet avec ce ballon perdu en route par Miotti et relevé par Liam Coltman, le talonneur. Avantage en cours. Avantage terminé. Plus pour longtemps. Avec Maracou qui vient naviguer, qui vient franchir et qui vient percer la défense oyonnaxienne, qui cherche du soutien. Il l'a trouvé évidemment avec Baptiste Couillou. Et maintenant c'est Jérôme Ray qui reste sur ses appuis et qui finalement part au sol devant cette ligne des 22 mètres. La réponse des Lyonnais avec Niniashvili maintenant pour Liam Allen. Très très belle réaction de la part du loup. Avec Félix Lambé, attention à ne pas perdre le ballon en le donnant. Jackson, Fotou Aïka, et on est dans les 22. Michael Guillard, pris par deux Oyonnaxiens, sa plaque à tour de bras. Dans le même sens, Couillou tout de suite avec Niniashvili, avec Godwin. Eliam Allen en position d'ailier, mais attrapé par Justin Bourreau. Ça repart encore avec Couillou qui va servir Félix Lambé pour le premier essai de la partie. On pensait qu'il serait pour Oyonna. Il est pour le loup qui prend les devants après 18 minutes et à 14 contre 15. C'est par l'un de ses tauliers, Félix Lambé, que le loup lance son match véritablement. Très très belle action de la part des Lyonnais. C'est parti du gros travail et de la percée de Josiah Maracou. Il a trouvé du soutien, toujours, hein, en l'occurrence Baptiste Couillou. On a aussi Jérôme Ray, hein, qui a bien résisté. Et sur ce dernier temps de jeu, la sortie de balle de Niniashvili qui surprend tout le monde, qui trouve Couillou. Et derrière, Félix Lambé vient terminer le travail devant Justin Bourreau. Et devant Miotti qui a tenté un tac. Tel un footballeur là pour essayer de sauver cet essai. Premier essai de la saison pour Félix Lambé. Il est important. Allez,
premier essai de la saison. Je le disais, premier essai depuis très longtemps. Elle ne passe pas cette transformation. 5-3 pour Lyon. Et cette période d'infériorité, pour l'instant, elle est bénéfique. Puisqu'en 3 minutes 30, ils ont gagné. Ils ont marqué 5 points et n'en ont encaissé aucun. Premier essai de la saison, je le disais donc pour Félix Lambé. Premier essai en top 14 depuis la saison 2016-2017. Hein. C'est seulement son deuxième essai en top 14 à Félix Lambé. C'est lors de sa première saison au Loup qu'il avait marqué cet essai. Depuis, eh bien, il n'avait marqué qu'en Challenge Cup ou Champions Cup. Pas l'habitude de marquer, lui, l'international français. Et ça fait du bien, évidemment, à son équipe lyonnaise qui va déjà être sous pression. Hein. Puisque vous le voyez, Mickaël Guerre a été bien emmené par les joueurs de Yona. En touche. Le lancer pour geler dans la feinte, c'est bien fait avec ce ballon qui est retrouvé sur le talonneur. El Khattabi qui vient de rentrer à la place de Charlie Cassan. Dans le même sens avec Rory Grice. La pression de la part d'Oyona pour essayer tout de suite de reprendre les devants avec Miotti. Il y a un décalage pour Rick Péfan qui est servi et qui résiste à Baptiste Couillou. Il y a eu la réponse lyonnaise. Il y a la réponse d'Oyona avec cet essai de Daniel Rick Péfan. Ils ont parfaitement géré le renvoi en mettant Mickaël Guihard dehors. Ils ont créé la panique avec cette touche, se lancer en premier rideau de la part de Benjamin Gélédan. Le jeu qui a rebondi intelligemment vers le centre du terrain pour revenir sur l'aile. C'est impeccable de la part d'Oyona qui est en train de reprendre les devants, même s'il y a un petit peu de casse. On voit Tommy Reynaud en train de se faire soigner, que Charlie Casson, on a vu, est sorti, mais Ilan El Khattabi a parfaitement mené cette action pour permettre à Oyona de reprendre les devants. 8-5, il boit de bas Tommy Reynaud. On espère pour lui que ça va aller, bien évidemment. Il a déjà eu beaucoup, beaucoup de casse dans ce début de partie. Et le deuxième coup de pied de Domingo Miotti, un peu plus facile que le premier, mais il est très important parce qu'il pourrait offrir du coup 5 points d'avance, pardon, à Lyon. Oyona serait à 10. Ça part bien, mais ça tourne un petit peu trop, on revoit. Hein. Ils étaient à 6-7 mètres et il a renversé le jeu comme il fallait sur Domingo Miotti. Et derrière, Rick Péfan, en funambule qu'il est, résiste parfaitement à la charge de Baptiste Couillou. Superbe action de la part d'Oyona. Et on les entend, les supporters qui ont fait le déplacement en bus pour la plupart depuis l'un. On espérait voir largeur. Une victoire largeur de leur équipe. Qui a pris 5 points à l'extérieur en 8 matchs avec un succès. C'était à Montpellier lors de la 8e journée. Un succès à Lyon. Autre adversaire dans la course au maintien serait forcément une très bonne opération. Gavin Starr qui navigue, qui trouve à Otto à Rory Grice. Un petit peu décousu et était humilié. Va ramener le jeu dans le camp lyonnais. Derrière. Ouais, attention David Ndiachivili. Heureusement, c'est avec le pied qu'il a touché ce ballon. Il peut repartir. On est vite monté sur lui avec notamment El Khattabi. Finalement, il a pu dégager au pied. Domingo Miotti encore. Le coup de pied. Il a tenté une 50-22. Il est tombé sur Paddy Jackson. Attends, vite, attends. En jeu. Ouais, on est parti sur une partie de ping-pong rugby. Arrêt de voler de la part de Ndiachivili. On va faire souffler tout le monde. Il a bien senti l'international géorgien qu'il fallait stopper un petit peu cette action.
Vincent Rantès se prépare, il va bientôt faire son retour. Il trouve un très très beau coup de pied, une très très belle touche. David Ilachvili, ça a été joué rapidement. Reculé 10 mètres par Ikpefan et Oyona, le coup de pied de Miotti. Et impeccable Ilachvili qui vient trouver Baptiste Couillou. Après contact, c'est bien fait. Baptiste Couillou qui navigue. Et à Mickaël Guiard, il était très haut, mais il a été remis en jeu bien évidemment. Et le jeu qui bascule sur la gauche avec Alfred Parisien, retour intérieur. Il résiste à deux plaquages, il est bien pris là finalement par Vendry Picot, Félix Lambé. Avec Couillou de nouveau en position de demi de mêlée qui conduit le jeu. La fin de passe de Baptiste Couillou qui vient traverser et qui a du soutien maintenant avec Jérôme Rey, son pilier stoppé à 5 mètres de l'embut. Les Lyonnais sont de retour dans le camp d'Oyona. Ce ballon sorti par Alban Roussel et l'en avant volontaire sifflé contre les Oyonnaxiens par Monsieur Pradry. C'est joué rapidement par Ninachvili. Tout le monde ne s'était pas replacé. Ninachvili qui résiste et qui inscrit déjà le deuxième essai du loup. La malice, la filouterie de la part de David Ninachvili. L'essai de l'international géorgien. Et Lyon reprend les devants juste avant la fin de la période. Mais pas le seul, il y a du, du carton jaune de Vincent Rathès. C'est pour ça que je ne mets pas le jaune. Obligé de se faire un petit peu manipuler David Ignashvili sur son plaquage. Il a peut-être eu un petit peu le souffle coupé. C'est pas cynique, en tout cas, il est incroyable ce début de match. Il est mouvementé. Et Ignashvili, il est c'est particulièrement en vue comme là. C'est lui hein, qui intelligemment a retrouvé Baptiste Couillou. Qui fait toujours aussi mal hein, aux adversaires. Et à chaque fois, la fin de passe, il a éliminé Vautoa, il a résisté à Vendry Picot. Et derrière, Jérôme Rey, tout proche d'aller jusqu'au bout. C'est en avant volontaire sur la passe de Roussel. Mais derrière, regardez, hein, il est très très loin, David Ignashvili. Mais dès le début, il sait ce qu'il veut faire. Le 14, il veut profiter. Il le joue à la main. En plaquant, il tape sur le ballon. Et même s'il est plaqué, notamment par Tommy Reynaud, eh bien... Ouais, bah, il y est quand même, hein. Il arrive après le contact. Regardez, Gavin Stark, il ne regarde pas. Il ne peut pas intervenir. Et Rory Grice et Tommy Reynaud ont bien essayé de stopper le géorgien. C'était impossible. C'est passé au niveau de la transformation. 12-8 pour le Loup. C'est le plus gros écart pour l'instant dans cette première période. Vincent Rathès est de retour. Petit dégagement de la part de Paddy Jackson au Yona qui va tout de suite essayer de remettre la pression. Non, c'est une belle touche finalement trouvée. La touche en fond d'alignement vers Reynaud. Non, ce n'est pas droit. Je l'ai. Partir sur cette mêlée, on atteint bientôt la demi-heure de jeu au Matmut Stadium. Flexion. Rappel hein, que Alexandre Tchatcha a été sorti suite au gros plaquage de Rory Grice. Plaquage dans les règles, comme l'a dit Monsieur Pradery. Voilà, on joue cette mêlée. Les gars, les deux droitiers, on ne réduit pas la liaison. Les deux gauchers, on reste bien en haut. C'est bon pour vous ? En place. Merci, allez. Attitude positive, messieurs.
Allez, go. Flexion. Bon. Lié. Je. Ça ressort avec Kouyou, le team 2 avec Godwin et la passe derrière qui est en avant. Malheureusement pour les Lyonnais. Dans cette transmission entre Kouyou et Marakou, me semble-t-il. Qui va offrir une mêlée dans le camp lyonnais à Oyonnax. Il reste 10 minutes dans cette première période. Allez les gars, on continue à tenir en haut, hein, d'accord. Vous rappelez hein, le premier résultat de cette attention à pas raccourcir, attention à pas raccourcir. 16e journée. Et attention succès à bien de Montpellier tout à l'heure, 28-23 face à Bayonne. Montpellier qui passe devant le Loup grâce à ce succès. Rappelez également les autres matchs de 17h, Perpignan, La Rochelle, Castres, UBB et Pau Toulon. 21h sur Canal+, évidemment Racing 92 Stade Français. Et demain soir, flexion, ce sera Clermont Stade Toulousain, un gros programme dans cette 16e journée, évidemment. Que l'on suit sur les antennes de Canal Plus avec beaucoup de bonheur. La mêlée droitier pénalisé, Féao, Foto Aïka sanctionné par Monsieur Pradery et du coup pénalité à suivre. 3 noirs en bas vers le sol. Et on va prendre les points du côté de Miotti. Pour essayer de ramener le score à 12-11 dans ce match qui est serré, tendu, crispant. On le voit avec les coachs sur le bord du terrain. Foto Aïka qui est allé au sol immédiatement dans son duel avec Reynaud et qui a donc été sanctionné par Vivien Pradery et qui offre une troisième tentative dans ce match à Domingo Miotti. 1 sur 2 pour l'instant. Pour l'Argentin, il a raté la transformation de l'essai de Daniel Ikpefan. Ouais, ça, cette fois sans problème. Pour l'Argentin, ça passe. Et Oyonnax revient à une longueur seulement. Le retour pendant ce temps-là de Charlie Cassan. Arrêt du temps. Après son protocole commotion. Ilan El Khattabi, on le reverra évidemment en deuxième période. Puis, oui, il me semblait bien avoir vu Valentin Simutoga faire son apparition sur la pelouse. C'est bon ? On prend du temps. À la place eh bien, de Féao, Foto Aïka au poste de pilier droit. Ouais, il y a un joueur qui est resté au sol là. C'est Reynaud qui reste au sol. Sur ce ballon qui avait été capté par Credoz, c'est fait mal également. Déséquilibre le joueur en l'air. C'est une pénalité. Vincent Rathès, pour l'instant, pas vraiment ami avec Monsieur Pradery. C'est peu de le dire. On va revoir peut-être sur les images ce renvoi. La prise de balle de Credoz et ouais, Rathès en fait pousse Reynaud qui pousse Credoz qui est en l'air. Oh, et c'est ça que signale Monsieur Pradery. Ça ne fait pas plaisir au banc lyonnais, on l'entend. Ouais, ça conteste trop là. Monsieur le président, c'est la première et dernière fois. C'est la première et dernière fois que je vous reprends. Si. Vous me parlez comme ça, donc je vous parle comme ça. Donc c'est la première et dernière fois que je vais en faire comme ça. C'est bien compris ? C'est votre avis, monsieur, moi je prends ma décision. Qui a failli être volé par l'alignement lyonnais. Et on peut faire...
Ils reculent hein, les Onaxiens sur. Sur les impacts. Cassant obligé. De dégager au pied les Lyonnais dessous avec. Dans les airs, prise de balle Maracou qui réussit à reprendre ce ballon qui avait rebondi sur Bettencourt. Gavin Starr qui lance le turnover, le contre-ruck et ballon de turnover pour Oyonnax. Finalement pénalisé, les Oyomen. Rory Grice entré sur le côté. Nouvelle pénalité contre le Loup. Contre Oyonnax, pardon. Oula. Il y en a eu plus dans un sens que dans l'autre depuis le début du match. Ils étaient beaucoup plus pénalisés, beaucoup plus indisciplinés les Lyonnais. Il est sur le côté. Et Paddy Jackson qui va emmener ce ballon en touche. Oui, est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est passé en touche? Et non. Le mauvais coup de pied de la part de Paddy Jackson, le sourire crispé. De la part de l'Irlandais. Et ça, c'est une erreur qui peut faire très mal. On a vu encore une fois Arnaud Aegis bouillir. Lui qui a déjà eu cette explication avec Monsieur Pradery. Match vraiment tendu depuis le début. Avec Alexandre Tchapchet. Forcément déçu d'être sorti aussi vite, forcément lié. Il doit quand même un petit peu se ressentir de l'énorme choc qu'il a subi. On espère vite le revoir sur les terrains, bien évidemment. Allez, Daniel Ikpefan, le long coup de pied de la part de l'ailier, le marqueur d'essai. Avec un ballon récupéré par un autre marqueur d'essai, David Niniashvili. Très long coup de pied, très bon coup de pied. Et Miotti ne pourra pas jouer rapidement cette touche. Cap of food. Bien done. Un petit peu déçu David Niniashvili pourtant. Il a permis au jeu de rester dans le camp d'Oyonnax. C'est vrai que territorialement, on est énormément dans le camp des Oyomen. Joël Abbe, Vincent Lebati, évidemment. Très attentif à ce qu'il se passe, la touche de Gélédan et la charge de Rory Grice. Stoppé un peu avant la ligne médiane, cassant le jeu au pied du demi de mêlée pour mettre la pression sur Vincent Ratez, impeccable à la retombée du ballon. Bien pris aux jambes par Credoz. Couillou. Avec Simou Toga. Et c'est Paddy Jackson qui va dégager le jeu. 9, on attend. Non, en jeu. Allez, on est reparti sur du ping-pong rugby là. Paddy 5. Jackson qui essaye de mettre le ballon le plus près possible de la ligne. 10 mètres. Et Justin Bourreau, le coup de pied vers Ikpefan qui attrape tout de suite Niniashvili. Mais on n'est pas à 10 mètres côté Oyonnax. Et du coup, ça profite à Niniashvili. La pénalité rapidement jouée. L'en avant. Commis par Michael Guillard. Ah oui, c'est faute d'un côté comme de l'autre. Il va falloir les gommer parce que sinon, ouais, mais c'est trop clair. Ça va être compliqué. D'un côté comme de l'autre, d'enchaîner. Ils sont à combien de jouer au prix de pression? Il reste 2 minutes 30 seulement à jouer dans cette première période. Ils s'en sont passés des choses. Hein. Il y a eu la sortie d'Alexandre Tchapchet, découpé littéralement par Rory Grice. On a eu le carton jaune contre Vincent Ratez. Mais on a quand même eu deux essais pour les Lyonnais qui mènent dans cette partie grâce à ces réalisations de Félix Lambé et David Niniashvili. Qui est toujours sous pression avec un petit point d'avance seulement.
La grosse poussée de la mêlée lyonnaise, mais ballon vite sorti par Grice avec Millet sous la pression de Michael Guihard et le contre-ruck de la part des Lyonnais. Ballon gratté, ballon gardé au sol par le centre de Lyonnais et la pénalité plein centre pour Lyon. On se félicite évidemment du côté de Michael Guihard et des avants. Et bien entendu, on va prendre les points du côté de Lyon et de Paddy Jackson. N'oublie pas qu'il y a eu ces deux points perdus, deux points lâchés sur une transformation qui était évidemment très difficile, hein, bien sûr, sur le premier essai de Félix Lambé en coin. Mais Paddy Jackson, il doit surtout se rattraper de tout à l'heure, il y a quelques minutes, quand il a manqué une touche sur une pénalité. Même si on n'en a pas profité du côté lyonnais, il reste une vingtaine de secondes à l'Irlandais pour taper. On aura un renvoi de toute façon. 40 mètres, plein axe pour Paddy Jackson. Ça m'a l'air pas trop mal et ça l'est. Lyon 15, Oyonnax 11. On reprend 4 longueurs d'avance du côté des Lyonnais. Évidemment, ça ne va pas faire plaisir à Joël Abd. Et il va y avoir un renvoi. Et tout à l'heure, sur le renvoi du premier essai, ils ont été très bons, les Oyomen. Alors pourquoi pas une deuxième fois la bonne prise de balle de Guihard cette fois, qui est rentré dans le terrain pour éviter d'être poussé en touche. On fait courir le chronomètre du côté de Baptiste Couillou, intelligemment pour Niniashvili. Et on va se quitter là-dessus sur cette première période. 15 à 11, un match très tendu, un match très serré et qui n'est pas encore décidé, loin de là. Qui est également serré au niveau du score et tendu dans son enjeu. On est reparti avec le coup d'envoi donné par Domingo Miotti. Attention à cette passe mal ajustée, mal contrôlée. Heureusement Kyle Godwin peut récupérer. C'était une passe en arrière. Et le gros coup de pied, long coup de pied de Paddy Jackson. À la réception, Domingo Miotti, bien sûr. 10 mètres. Qui va aller lever cette chandelle. Niniashvili qui ne peut pas contrôler ce ballon. Ça profite à Pedro Bettencourt. Ouais, gros contre-ruck, mais ouais, il est au sol, Niniashvili. Et après, on gratte le ballon. Il est au sol, Niniashvili n'avait pas le droit de venir disputer ce ballon. Attention à la discipline, parce que... ils ont été pénalisés 7 fois en première période, les Lyonnais. Alors Oyonnax est à 5, mais 5 dans les dernières minutes, ils ont été assez souvent pénalisés. Voilà la 8e pénalité contre le Loup, et pour l'instant, et on se souvient de ce que disait Félix Lambé à la mi-temps, eh bien ils ont donné trop de points, fait trop de cadeaux, les Lyonnais, et en voilà un de plus avec Niniashvili qui a disputé ce ballon alors qu'il était au sol et qu'il n'avait plus le droit. Les chances données à Domingo Miotti de rajouter 3 points et de ramener Oyonnax de nouveau à une unité seulement. Ça part bien et ça passe. 15-12, 15-14 pardon. Et toujours les encouragements de Joël Abd pour cette équipe d'Oyonnax. Ce match est serré, ce match sera serré jusqu'au bout. Et il ne faudra ni d'un côté ni de l'autre faire trop de fautes.
proche de son non-but, parce que sinon les trois points vont s'enchaîner. Paddy Jackson comme Domingo Miotti ont manqué une transformation, mais sinon eh bien le reste c'est très solide, ce qu'ont montré les deux buteurs pour le moment. Rouge. Le lancer Liam Coltman pour la touche lyonnaise. Bonne prise de balle de Félix Lambé. Et ballon porté. Qui s'enclenche côté lyonnais. Ça va sortir. Baptiste Couillou. Avec cette passe tout de suite pour Ratez. Jackson l'a sauté, c'est dangereux. Réussi à trouver Alfred Parisien. Pris par Bettencourt et qui parvient à libérer son ballon. Couillou encore une fois petit côté. Niniashvili. Il a des cannes, David Niniashvili, ouais, mais il est bien pris là, par Bettencourt. Et au passage, Monsieur Pradri a également été bousculé. Niniashvili encore, la charge de Liam Allen. Couillou, vraiment petit côté le long de la ligne de touche, c'est bien ce qu'il fait Baptiste Couillou là. Bien attrapé par Bourreau. Jérôme Rey toujours aussi difficile à mettre au sol, qui accélère, qui parvient à rentrer dans les 22 à force de courage et de ténacité face à Phoenix Batty, notamment la charge d'Alban Roussel et départ Félix Lambé, ce ballon qui navigue encore. Jackson, Kyle Godwin, bon, il a été bien pris là par Loïc Credoz. On est devant les 22 mètres de Lyon. Allen, Jackson avec la course de Simutoga. Niniashvili va chercher, où c'était dangereux cette passe. Théo William qui est bien pris. On va revenir à une pénalité. Il y avait un avantage pour le Phoenix Batty, sanctionné par Monsieur Pradery. Et nouvelle pénalité en faveur du Loup. On va aller en touche. Et bien voilà, on va essayer de se mettre un peu plus à l'abri. On a des envies de jeu. Côté lyonnais, on a des envies, pourquoi pas aussi d'aller chercher un bonus offensif. Il y a deux essais à un, il en faut deux de plus. Arrête du temps. Pour aller gratter ce point qui comptera bien évidemment en fin de saison. On revoit le pauvre Monsieur Pradery qui a. Je sais pas, on m'a pas dit ça. Subi l'impact de Bettencourt sur Niniashvili. Heurté par le Géorgien, il était au mauvais endroit, tout simplement. Allez, Coltman qui vient chercher Théo William. Le ballon porté des Lyonnais, ça se désagrège un petit peu au niveau de la défense lyonnaxienne. Mais on s'est remis en place très vite avec Credoz, avec Vautoa pour essayer de stopper cette avancée lyonnaise, même si ça avance toujours, mais ça avance en zigzag là. Sur ce ballon porté, qui a le ballon? C'est Jérôme Rey qui a le ballon. Finalement mis au sol, grosse défense de la part de l'USO, célébré comme il se doit par les supporters dans les tribunes, et on est reparti là encore. Il y aura des accrochages sur toutes ces phases de jeu, c'est certain. Ouais, c'est, j'ai vu. Ouais, ça réveille le public du Matmut Stadium. Les joueurs en ont besoin, bien évidemment. Monsieur Pradery qui appelle Michael Guillard, qui appelle Hugo Fabregue également. Il va prendre son temps évidemment pour discuter de tout ça. Tommy Reynaud est là également. Ça y est, messieurs, c'est bon. On a démarré la première mi-temps, ce sont ces deux joueurs. On recommence la deuxième mi-temps, c'est encore ces deux joueurs. D'accord. Donc soit ils arrêtent ces jets de nervosité, soit ils vont aller dehors. Ils m'assient tous les deux. Il y en a. Il n'y a rien de méchant, mais bon. Il y en a un petit peu. Monsieur Pradery, des duels.
entre Mickaël Guihard et Hugo Fabregue. Toujours est-il qu'il y a une mêlée en faveur d'Oyonnax. 912, laser, taxi. Seconde ! Allez ! Oh, pareil, flexion ! Lié ! Jeu ! Alors, qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Pradery? On va l'écouter tout de suite. On n'est pas assez stable ici. De ce côté, on n'est pas assez stable. On refait. Qui a été lâché par Cassan, que Gavin Stark a sauvé de la touche, mais on est encore en difficulté du côté d'Oyonnax avec ce ballon pour Renault, soutenu notamment par Fabregue. Pression non, il le dégage juste, il a le droit, c'est toléré. Ils vont passer par le pied, Charlie Cassan, il n'a pas le choix, il faut que ça parte loin, le plus loin possible. Allez, 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 noir, allez. Ouais, il s'en veut, le demi de mêlée d'Oyonnax. Sur les 22. Sur les 22. Marqué la semaine dernière contre Toulouse, on l'a vu lors du résumé de la 15e journée. Et qui évoluera avec ce maillot lyonnais d'ailleurs la saison prochaine. Il s'est engagé avec le loup, Charlie Cassan. Il essaiera d'aider ces Lyonnais dans leur quête d'aller un petit peu plus haut, évidemment, que ce qu'ils montrent cette année. Mais il y a toujours de l'avancée malgré tout, avec Félix Lambé au soutien de Baptiste Couillou, refoulé un petit peu, le numéro 4, Couillou qui essaye d'y aller tout seul. Il est bien accroché encore une fois, Roussel. Ah, il est difficile à récupérer ce ballon, mais Jérôme Rey qui s'est relevé avec et qui est encore une fois très dur à mettre au sol. Il y a un avantage de toute façon pour les Lyonnais. On part au ras du côté de Godwin. Stoppé. Théo William maintenant. Stoppé par Credoz. Essaye de s'échapper au maximum. Loïc Credoz toujours l'avantage. Lambé avec Jérôme Rey. N'arrive pas à jouer des contre-rugs du côté d'Oyo. Paddy Jackson, Niniashvili, qui résiste bien au plaquage de Théo Millet. C'est suivi par Parisien maintenant. Ils sont en train de faire mal, les Lyonnais qui sont en train de camper là dans les 10 mètres d'Oyonnax. Félix Lambé pour relever ce ballon. Plaqué à son tour et ça repart toujours au pré. On se rapproche petit à petit. Et ce ballon, il va ressortir pour Coltman. Toujours avantage en faveur du loup. De toute façon, ils auront quelque chose. Ils auront une deuxième munition, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe là dans les prochaines secondes. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller mettre ce troisième essai qui mettrait Oyonnax à 6 points, voire 8, s'il était transformé. Et là, plein centre, il y a des chances avec Jérôme Rey qui rebondit, mais qui est repoussé par Batty, notamment. Ils sont sur leur ligne, les Oyomen, ils n'ont plus le choix. Ligne ! Il faut tenir. La grosse charge encore une fois, ça ne passe toujours pas. William maintenant. William qui est stoppé juste devant la ligne et s'est relevé tout de suite par Baptiste Couillou qui a subi. Évidemment, Baptiste Couillou, l'homme fort, l'homme en forme, le capitaine
l'atout offensif numéro 1 du Loup, qui inscrit 3ème essai de l'après-midi pour la Meute. Et c'est un coup dur pour Oyo parce qu'il y a la double peine, le carton jaune contre Hugo Fabregue. Il a parfaitement suivi les coups de boutoir de ses avants, Baptiste Couillou. Et dès qu'il a eu l'occasion, il a relevé ce ballon. Il n'y avait personne, il y avait trop de monde devant la défense d'Oyonnax pour qu'il ne puisse faire quelque chose. Ça a été parfaitement déblayé, notamment, on le voit, Théo Millet. 9ème essai de la saison pour Baptiste Couillou. Le 6ème sur les 4ème essais de la saison pour Baptiste Couillou. Le 6ème sur les 4 derniers matchs. Je le disais, il a marqué sur les 3 dernières journées. 5 essais, il reste sur un doublé contre Clermont, contre La Rochelle. Et voilà, 6 essais en 4 matchs pour l'international tricolore, qui fait énormément de bien à son équipe. S'il n'était pas là en cette période de signation, évidemment que ça en serait différent pour la formation lyonnaise, mais il est là et ils en profitent bien. 22 pour le Loup, 11 pour Oyonnax, cette transformation réussie par Paddy Jackson, qui évidemment fait du bien. 8 points d'écart, le plus gros de cette partie. Il va falloir rapidement réagir pour Oyonnax, mais ils sont à 14. Je suis d'accord. Les joueurs de Joël Abd. Et surtout la possession territoriale hein, qui a toujours été. Arrêt du temps. 8 et 4. Allez, le changement, la sortie de Félix Batty, l'entrée de Victor Lebas du côté d'Oyo et la sortie de Jérôme Rey également, on l'a vu, Zaka Bech fait son entrée. On a également Joël Poku qui a fait son apparition en troisième ligne. La place de Théo William. Allez, Léo Berde pour son premier ballon. On l'a entendu qu'il a remplacé Paddy Jackson. Let's go, let's go. Toujours élable hein, qu'on entend à chaque fois. Oh, bah, le gros raffut de Kabesh là sur Miotti. Il arrive le vol réalisé par Justin Bourreau. Larger, larger, one green. Jackson qui a peut-être glissé au centre ou alors pas de prise de balle de Bourreau qui passe entre Roussel et Liam Allen et qui trouve du soutien et qui a remplacé le Parisien Léo Berdeux. On va voir lequel lequel des deux est plus passé au centre entre Jackson et lui. Cassin, le coup de pied très long, trop long certainement. Prise de balle de Niniashvili solide qui n'est pas tenu et qui peut se relever. La fin de passe pour éliminer Charlie Cassin et donner à Couillou. Simutoga maintenant, la grosse charge du pilier droit. On trouve de la profondeur avec Jackson qui tente une 50-22. L'arrêt de volée de Domingo Miotti. Vigilant sur les ballons hauts, Miotti, tout comme Justin Bourreau. Mais de l'autre côté aussi, hein, y a du répondant là-dedans.
Agnashvili. Il a fait. Go, go, go! Reste, 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 en jeu. C'est une gagne, c'est vraiment du gagne terrain là, auquel on est en train de jouer d'un côté comme de l'autre. Merci capitaine. Tu peux me dire Mehdi le sorti du capitaine Tommy Reynaud. L'entrée du numéro 17, Rory Sutherland. Bien reçu. Pilier écossais. Non, oui, dans les 50 noirs. Vincent d'Edimbourg. Arrivé cette saison. On a vu également que Loïc Godner est entré avec son numéro 22. Le petit coup de pied encore une fois de Jackson. Ah, ça passe entre les jambes, dit Péfan. Va être obligé de faire attention à ce ballon. Grosse montée de Vincent Rathès notamment. Il laisse ce ballon dans les airs, mais dans le jeu, pardon. Mais Jackson et Berdeux peuvent relancer avec Niniashvili, évidemment. David Niniashvili, qui a été bousculé après son coup de pied. On va revenir à une pénalité. C'est un coup de pied à suivre. Le premier ballon est ici. Le premier rebond est ici. Sur les 15. C'est Pedro Bettencourt, pardon, le Portugais, qui vient bousculer à retardement Niniashvili et offrir une très très bonne pénalité à Lyon. Il reste 25 minutes. J'ai pas vu le numéro, mais par contre, il y a deux joueurs qui viennent, ça c'est sûr. Attends ! On retrouvera Alexandre Chapchet. C'est après. Prochaine ! C'est après ! C'est après ! Au téléphone. À suivre Coltman, évidemment qu'on va en touche, on va aller chercher ce point de bonus offensif côté lyonnais, et en plus il y a un avantage en plus encore et toujours. Ce ballon qui ressort sur l'aile avec Maracou qui peut passer après contact. Berdeux pour Godwin maintenant, qui parvient à se retourner. Il y a toujours l'avantage sur le mol. Millet qui essaie de récupérer et d'arracher ce ballon, c'est manqué. Couillou avec ce ballon, non, c'était pas Kabej qu'il avait. On recule sur les impacts et du coup on va revenir à la pénalité. 17. Ouais, 15. 17, on se délie. On est sur le côté. 17. Déliaison du 17 et sur le côté. Et on retourne en touche bien évidemment. Rouge. Poussé rouge. On revoit hein, cette action. C'était parfaitement tenté. La prise de balle de Lambé. Et de nouveau, ce ballon porté se met en place. Les Lyonnais sont en train de faire mal. Les Lyonnais sont en train d'étouffer cette équipe d'Oyonnax. Il se rapproche de l'embu. Il se rapproche de ce quatrième essai. Un essai collectif. Alors, est-ce que c'est Félix Lambé? Est-ce que c'est Liam Coltman? Ça, peu importe. C'est manifestement le talonneur qui l'inscrit, ce quatrième essai. Peu importe pourquoi. Eh bien, parce que c'est l'essai du bonus pour le Loup. La très bonne prise de balle de Félix Lambé derrière. Ils ont clairement pris le dessus dans cette partie.
Ils sont toujours à 14 les Oyomen et ça leur fait très très mal. La joie de Félix Lambé et toute la détresse côté Oyonna, évidemment. Il y a de la casse en plus et il ne pouvait pas sortir à un meilleur moment, Liam Coltman, sur un essai. Il va laisser sa place à Yanis Charcossé. Pendant que Paddy Jackson va taper cette transformation pour offrir 15 points d'avance à Lyon. Il n'y en avait que 4 à la pause. Il n'y avait même que 15-14. Dès le retour des vestiaires. Avantage en avant. Choix. Il n'y a plus qu'une minute à 14 pour Oyonna. Voilà, vous avez le choix, capitaine. On l'a vu avec ce renvoi un petit peu trop long sur lequel Yves Péfan a commis un en avant. Touche. C'est bien reçu pour le retour du carton. Et par contre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout là pour. Pour les joueurs de Oyonna et notamment en l'occurrence Vendrick Picot, le ballon ici qui repart. Coup de pied. Long coup de pied de Baptiste Couillou, la confirmation de la sortie de Coltman remplacé par Charcossé. Ouais, c'est sûr que l'intérêt dans cette partie, après un sérieux coup, avec cette accélération des Lyonnais qui sont désormais seuls sur le terrain, une nouvelle pénalité jouée rapidement par Couillou qui trouve Godwin, c'est magnifique. Cal Godwin qui vient essayer de provoquer, qui est bien repris par Sutherland. Ballon relevé une nouvelle fois par Couillou qui va essayer d'y aller seul. Il peut relâcher ce ballon, c'est vite repris par Charcossé. Première prise de balle de la part du talonneur remplaçant. Et Lyon est en train de faire très mal. Lyon continue avec Kpoku. Plaqueur. Refoulé. Enfin, sortir ce ballon. Oyo est de nouveau à 15, mais de nouveau sous pression, de nouveau dans ses 5 mètres. Ce ballon qui va ressortir. Couillou dans le même sens avec la charge de Guillard. Bien pris par la défense et on a mis les mains du côté de Leba. Bon grattage, arrêt du temps. Capitaine avec votre numéro 8. Numéro 8. On voit le ballon volé par Félix Lambé qui obtient une pénalité. Numéro 8 et plaqueur, il ne se sort pas. Ça fait trop de fautes consécutives, c'est la quatrième, ce carton jaune. Ah, et ce sera un nouveau jaune. Ils sont à peine revenus à 15. Qu'il y a un nouveau carton jaune contre les Oyomen, on a entendu Monsieur Pradery. C'est un cauchemar qu'est en train de vivre l'USO dans ses 20 premières minutes de la deuxième période. Et cette fois, c'est Rory Grice qui écope de ce carton. Ah, là, rien, mais rien ne va. Arrêt du temps. Il n'y a pas d'autre mot. Et la sortie pendant ce temps-là d'Alban Roussel qui laisse sa place à Marvin Okuya. Marc ici, allez avancez. Oui, c'est très bien.
Et Lyon qui est en train de confirmer son succès de la semaine dernière contre La Rochelle. Qui est en train de s'éloigner, peut-être définitivement, c'est un peu tôt pour le dire, de la zone rouge. Qui pour l'instant, avec 5 points de plus, reviendrait à hauteur de Bayonne, 10e. À 4 longueurs seulement de Toulon, 6e. Et par contre, là, ils sont bien faits prendre en mêlée les Lyonnais. À gauche, on subit, on recule au soleil. Des Lyonnais qui ont été vraiment inquiétés tout au long de ce début de saison par le maintien, mais qui, vraiment, depuis quelques semaines, vont mieux et regardent vers le haut. C'est ce qui a pu dire notamment, on pense à Étienne Dumortier, qui sera bientôt de retour de blessure, pendant que Thibaut Berthaud va entrer à la place de Vautoa, qui a participé à cette dernière mêlée gagnante pour Oyo. Il va y avoir un changement puisque manifestement ça n'a pas l'air d'aller pour Simutoga. Du coup Jérôme Rey va certainement rentrer et Hamza Kabesh va passer en pilier droit. En tout cas c'est ce que semblait dire Arnaud Egui, que Hamza Kabesh allait prendre le poste de pilier droit. La grosse charge là de Rory Sutherland. Le coup de pied à suivre de Charlie Cassan. Il est parfait ce coup de pied pour gêner Niniashvili, mais il est impeccable le Géorgien pour l'instant. Et Miotti va lever une nouvelle chandelle. Elle est un petit peu longue encore une fois. Léo Berdeux qui arrive en sautant à trouver Niniashvili en passant au sol. Qui passe 1, 2, 3 plaquages. Niniashvili, le retour intérieur pour Baptiste Kouyou qui va retrouver le Géorgien pour le doublé de David Niniashvili. Et la joie évidemment des Géorgiens, du Géorgien et de ses coéquipiers. La petite discussion, le petit chambrage aussi peut-être de Charcossé avec Teddy Durand qui était au milieu de la célébration. Et quelle action encore une fois avec Niniashvili qui fait jouer ses partenaires. Bien joué aussi de la part de Léo Berdeux qui a trouvé le Géorgien. Le doublé de Niniashvili, je le disais, il a marqué en première période. Et ça fait 6 essais en top 14, 7 cette saison. Il n'avait pas marqué depuis la 11e journée. Et un succès contre Montpellier. Et bien voilà. Baptiste Kouyou, lui, il reste concentré, bien évidemment. Impeccable transformation de Paddy Jackson. Un quart d'heure et un quart d'heure où Oyonnax va sur le tiers de ce temps être encore à 14 hein, avec ce carton jaune contre Rory Grice. C'est vraiment un match à oublier pour cette équipe. Entrée de Mensa à la place de Bettencourt. Est-ce qu'ils peuvent réagir? Et 22 points de retard, ça va être dur d'aller chercher ne serait-ce qu'un bonus défensif hein. Pour les derniers du championnat. Bourreau avec Kpéfan au duel avec Kouyou. Il a résisté à Ratez aussi. Allez, un petit peu d'avancée là dans ce jeu d'Oyonnax. Pas de faute de main.
Ballon qui a failli être perdu, qui est toujours entre les mains du champion de Pro D2. Sutherland, gros affût sur Godwin. Il passe par le sol. Cette relevé, ce relevé de balle de Cassan qui trouve tout de suite un partenaire. Mais la défense lyonnaise, tout le match hein, a été solide. Alors il y a eu quelques fautes. Oui. 18. Mais malgré tout, Oyona n'a jamais réussi à franchir, même s'il va y avoir une pénalité en faveur des Oyomen. C'est Marvin Okuya qui se trouve pénalisé. On va aller en touche, bien évidemment. 3 points de plus, ça ne changerait rien. Ce qu'il faut, c'est marquer des essais pour essayer de ramener l'écart dans des proportions moins élevées. Pourquoi pas aller chercher le point de bonus défensif. Il reste 11 minutes et 30 secondes dans le temps réglementaire. Ça sera très difficile pour lui, pour Oyona. Allez, la prise de balle, elle est bonne de la part de Credoz. Maintenant il faut avancer sur ce ballon porté, c'est difficile. Grosse défense de la part des Lyonnais. Ce ballon porté qui avance en crabe, c'est sorti avec Durand qui essaye d'attaquer la ligne, qui passe sur le corps de Kyle Godwin. Ce ballon sorti par Cassan qui trouve tout de suite du soutien avec Théo Millet, bien stoppé par la défense. C'est relevé par Rory Sutherland et encore Cassan avec ses avants. Maintenant ça avance, est-ce que ça va laisser, oui, le deuxième essai de la partie pour Oyona. Ça a coûté cher un petit peu, mais ça marque malgré tout. La très belle charge et la très belle finition. En force, on va certainement revoir au ralenti, mais pendant ce temps, Miotti, lui, il est déjà en train de taper sa transformation. 36-21, plus que 15 points d'écart, ça fait encore beaucoup, 10 à marquer pour inscrire l'essai, pour inscrire un point de bonus défensif. Mais grâce à Loïc Godner, j'étais pas sûr que ce soit Godner ou son partenaire, mais c'est bien l'ancien du Stade Français notamment qui vient inscrire cet essai. On est gâté. Toujours le point de bonus offensif pour l'instant pour le Loup, puisque ça fait 5 essais à 2. Et attention, un essai de plus pour Oyo. Et ça priverait les Lyonnais d'un point. Et dans la course au maintien, ça pourrait compter. Allez, la course. Là, il y a du champ pour Bourreau qui a trouvé du soutien avec l'un des nouveaux entrants, Lucas Mensa, qui a rebondi, qui a perdu quelques mètres. Mais on peut repartir encore. La fin de passe de Cassan. Miotti, la sautée, c'est bien fait pour Gavin Stark. Et l'accélération maintenant du 14 qui vient mettre Jackson par terre. Ils sont déchaînés les Oyomen, ils sont à 14, ils sont menés de 15 points. Mais ils sont dans un vrai temps fort. Cassan avec Millet, la fin de passe, il va y aller tout seul Théo Millet. Ouais, attention, est-ce qu'ils se sont pas mis à la faute les Lyonnais, si, avec Michael Guillard et Charlie Cassan qui joue rapidement cette mêlée. Gavin Stark, est-ce qu'il était à 10 mètres, Baptiste Couillou. Credoz avec Mafi. Et on avance côté Oyona, on se rapproche de cette ligne des 22 avec Miotti pour Ikpefan en bout de ligne. Repris, parfaitement repris par Léo Berdeux. Godner fait une grosse entrée, Loïc Godner, il fait du bien. Cassan repart petit côté avec le crochet de Bourreau sur Vincent Ratez. Il fait l'effort pour rendre ce ballon disponible, pour surtout ne pas aller en touche. Rory Sutherland, la passe pour Mensa. Et maintenant c'est Eddy Durand qui avance, qui reste debout et qui rentre dans les 22 mètres.
Ils sont déchaînés, les Oyomen. Cassant, la sautée vers Miotti, la passe sur un pas pour Bourreau. Pas d'en avant selon le corps arbitral. Ça va ressortir avec Mensah, la passe sur un pas pour Godner. Ils sont à 5 mètres maintenant, les Oyomen. Oyona qui pousse pour essayer de faire quelque chose. Charlie Cassant, il a glissé là sur ce ballon. Est-ce que ça va pas être récupéré? Si, ils sont récompensés, les Lyonnais. Ils ont souffert, mais en partie grâce à cette glissade de Charlie Cassant, ils ont pu gratter ce ballon et ils vont pouvoir se donner de l'air. Ah, et s'il y avait eu un essai d'Oyo, ça aurait peut-être changé la fin de ce match. Mais ouais, il a perdu l'appui, Charlie Cassant. Et tout de suite, Marvin Okuya est venu mettre les mains. Joël Pokou, pardon. Joël Pokou. Et on va pouvoir se dégager côté lyonnais. Ça fait du bien au Matmut Stadium. Il n'y avait pas de stress, évidemment, mais à moins 8, à un peu plus de 5 minutes, il y avait la place pour aller chercher le point de bonus défensif pour Oyonnax, sachant qu'un essai de plus, ça prive Lyon du bonus offensif. Ça aurait pu évidemment changer la donne, parce que, eh bien, au lieu de perdre et d'être à 5-0 par rapport à son adversaire, eh bien, on est à 4-1 et ça fait 2 points de moins, 2 perdus. Reculé. Ils ont récupéré le ballon quand même, les Oyomen, avec ce petit coup de pied de Cassant. Est-ce que ce ballon va rebondir en faveur d'Yc Péfan? Non. C'était bien joué de la part de Charlie Cassant. Lance le futur lyonnais qui rejoindra les bords de Sonnerone la saison prochaine. Arrêt du temps. Pendant que Liam Rimet est en train de... Charlie. De se préparer et que l'on retrouve arrêt de temps. Le retour d'Ilan El Khattabi qui était rentré tout à l'heure pour un protocole commotion de Charlie Cassant. Il a fait une belle entrée, Ilan El Khattabi. Il a été il a parfaitement mené le jeu sur le premier essai d'Oyo. Signé avec Péfan. La prise de balle de Théo William qui a fait son retour avec Pokou pour sortir ce ballon. Yamalen, la grosse charge stoppée par Godner, notamment 5 minutes. Un peu plus à jouer dans ce match. Et Baptiste Couillou pour dégager le ballon une nouvelle fois. Plus loin possible. La faute de main de Daniel Yc Péfan. Ce ballon qui a rebondi juste devant lui, qu'il n'a pas pu contrôler. Impeccable coup de pied de Baptiste Couillou encore une fois. Arrête de temps. Très très bon. Encore une fois solide et encore une fois vrai meneur d'hommes et de jeu de cette équipe du Loup. Le voilà, Liam Rimet. Il fait son entrée. Le demi-mêlée remplaçant. La belle accolade avec Baptiste Couillou, évidemment, applaudi. C'est-à-dire, parce qu'on est tous pensés un peu. D'accord. Donc, calmez-vous alors qu'on pourra être beaucoup plus stable pendant les commandements. Et comme ça, après, il sera plus propre. Précis sur le setup, les gars. Superbe. Ovation de la part du Matmut Stadium pour son leader, Baptiste Couillou. 6 essais lors des 4 dernières journées. Encore un ce soir, cet après-midi. Il est indispensable à cette équipe et beaucoup de supporters du Loup doivent se dire que c'est heureux qu'il soit là en cette période de 6 nations. Allez, messieurs. Introduction pour Liam Rimet dans cette partie. On va sortir ce ballon proprement avec Jackson. Il va monter une très très haute chandelle de l'autre côté, évidemment, pour aller chercher Ninashvili qui rabat ce ballon derrière lui. Récupération de Léo Berdeu qui a fait un effort colossal pour ne pas être poussé en touche.
et Okuya maintenant pour ressortir avec Rimé qui ressort ce ballon. Gavin Stark qui n'a pas pu intercepter, ça profite à Kyle Godwin. Et ce petit coup de pied malheureusement qui vient sortir. Alors est-ce qu'il sort directement ou pas? Ça, ça change pas grand chose parce que le ballon est sorti tout de suite après. Pas de réussite sur ce petit coup de pied, pied gauche de la part de Godwin. Et c'était bien joué. Liam Rimé qui avait trouvé le couloir. Il sort directement, mais encore une fois, ça se joue à peut-être 2 mètres, à tout casser. Arrêt du temps par contre, puisqu'il y a un joueur en train de se faire soigner. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, si c'est un coup, on peut jouer quand même. Hein. Allez. Ouais, ça va pas être ça qui va tenir. Allez, on peut jouer. Là, messieurs. Premier. C'est un coup, si c'est un coup, on peut jouer. Voilà, les gars. Tout simplement. Ouais, on peut jouer, c'est bon. Hein. Oh, ouais, oh. Allez, cette touche bien exécutée. La passe ! Allez, soutiens, soutiens, soutiens ! Bouge ! Allez, Rimé qui vient essayer d'aider, mais on est pris là du côté de du côté du loup, notamment Fotou Aïka. Finalement était de retour, hein. On n'a pas remis Jérôme Ray. Oh, la touche, elle est trouvée. Difficilement, mais elle est trouvée. Bien reçu. Sous les yeux de Baptiste Couillou, évidemment vigilant à cette fin de match. On l'a vu avec le sourire tout à l'heure. Attention, parce que il reste 3 minutes, un peu plus, un peu moins, pardon, mais un essai. Et Oyonnax prive Lyon du bonus offensif. Il y a encore un peu d'enjeu dans cette partie. Même si évidemment le Loup va l'emporter, mais savoir avec combien de points. Loïc Godner encore, la grosse avancée, la grosse charge. Stoppé. Il a mis du temps à faire sa passe, Mioti, avec Bourreau. Tentative de contre-rec des Lyonnais, ça ne passe pas. Sortie de balle avec Grice. Sortez 18. El Khattabi pour relever ce ballon. Petit côté avec Mioti qui passe les bras. Avant du 10 noir. Là, avec l'en avant de Paddy Jackson, on va revenir à la mêlée. Tentative d'interception légale. Encore Théo. Encore Théo. Après, pour moi, là, on était vraiment propre. Hein. Franchement, ça tombe après ici de ce côté, mais plus à la force des choses que. Est-ce que Oyonnax peut priver Lyon du bonus offensif? C'est ce qu'on va savoir dans la prochaine minute 30 de cette fin de match. Un petit peu inquiet, j'ai l'impression. Baptiste Couillou, juste devant lui, Alexandre Tchapchet, sorti en tout début de match suite à. À cet énorme plaquage de Rory Grice. Inquiet également Engen Bacher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu de. Encore un temps mort. Prend son temps pour lancer cette partie. Lancer cette dernière mêlée.
le sourire des supportrices lyonnaises, bien évidemment. On a vu encore Alexandre Tchapchet debout. Flexion. Lié. Jeu. Allez, cette mêlée qui est stable. Ça s'écroule des deux côtés, mais on peut le jouer. Alors ça ressort avec El Khadami, la charge d'Yc Péfan qui reste debout, qui fait l'effort et qui rend ce ballon disponible. Est-ce que ce ballon il n'a pas été talonné à la main? Capitaine, capitaine. Ouais, et attention à ce qu'il n'y ait pas un nouveau carton, mais cette fois pour Lyon. Troisième faute successive, disciplinez-vous s'il vous plaît. Ouais, il a appliqué cette stratégie tout au long du match, hein, monsieur Pradery, à savoir enchaînement de fautes. À un moment, ça finissait par des cartons. Il y a eu Ratez en première période, il y en a eu deux contre les Oyomen. C'est joué à la main, c'est pas fait en force, en tout cas pas directement. El Khadami avec le relais de Durand qui s'est jeté, ce ballon relevé derrière par Mafi, stoppé, refoulé à quelques centimètres de l'embout. Il reste 40 secondes et Oyonnax peut priver Lyon du bonus offensif. Ce serait un maigre butin, mais ce serait quelque chose. Mais le bout des doigts pour Mensah qui vient passer Niniashvili. Ils le font, les Oyomen, avec cet essai tardif. Et regardez tout de suite Domingo Muñoz qui demande le tir très rapidement pour taper cette transformation. S'il la tape avant les 10 prochaines secondes, il va y avoir et il y aura un dernier renvoi. Et évidemment, alors ça aurait été mieux avec 8 points de retard, mais avec 10, eh bien, en cas de nouvel essai, il repartirait là cette fois avec le bonus défensif, les Oyomen. Est-ce qu'on va avoir des temps supplémentaires, un temps additionnel de folie? On va bien voir. En tout cas, superbe de la part de Lucas Mensah. Et évidemment, la déception chez les Lyonnais, notamment chez Baptiste Couillou, parce qu'on perd le bonus offensif sur la sirène. Le renvoi effectué très court, évidemment. Et on va gêner côté Lyonnais. Mais ce ballon, il est intercepté malgré tout. La grosse charge de Rory Sutherland, la grosse accélération, le petit coup de pied de Muñoz dans le dos de la défense. Le rebond qui n'est pas favorable à Niniashvili qui est pris un petit peu haut. Ils y ont cru, les Oyomen, là-dessus. Indéniablement, ils auront eu le mérite de faire un petit peu trembler les Lyonnais sur cette fin de match. Il y a une pénalité à jouer. Attention, Léo Berde qui a du mal à se relever. Ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, on va aller en touche côté Lyonnais. Pourquoi? Parce que ce point de bonus offensif, on veut le récupérer. Ce match n'est pas terminé. Ce match est complètement fou. Fabien Gengenbacher qui encore donne de la voix. Il a été assez stoïque tout au long de la partie, au contraire de son adjoint Arnaud Higui. Mais là, par contre, le lancer, Yanis Cherkossé, ce serait incroyable. Hein. L'un comme l'autre, que Oyo mette un essai pour aller chercher le bonus défensif ou que Lyon remette le sixième pour le bonus offensif, ce serait incroyable, tout simplement. Il y a un avantage en faveur des Lyonnais. Cette sortie de balle de Liam Rimé avec Godwin. On a essayé de mettre les bras. L'avantage n'a pas marché et la faute contre Victor Lebas. Paddy Jackson, il faut trouver la touche, faut pas faire comme en première période bien évidemment. Très très belle pénale touche trouvée par l'Irlandais à 7 mètres à peu près, 7-8 mètres de l'embut d'Oyo. Ils sont de retour aux avant-postes, crispé Arnaud Egui comme durant toute cette partie. Et ce point de bonus offensif, il pourrait changer la donne bien évidemment. Pas uniquement dans la course au maintien, mais évidemment dans la course pour regarder un petit peu plus haut, parce qu'un point ça en donnerait 4 d'avance sur Montpellier et barragiste. Bon lancer de Cherkossé, la prise de balle de William, et on va essayer d'avancer. Ce ballon porté
Ça a fonctionné tout à l'heure. Charcossé dans le rôle de Liam Coltman. Et les trois qui arrivent, Niniashvili, Rimé attend un petit peu, mais ce ballon, cette défense qui s'est désagrégée. Et Yanis Charcossé qui à la 84e minute fait se lever tout le banc du Loup, tout le Matmut Stadium de Gerland. Le soupir de soulagement de Baptiste Couillou. La victoire, elle était assurée, ce point de bonus offensif ne l'était plus depuis la 79e minute et des poussières. Et finalement, ils ont poussé, ils y ont cru et les Lyonnais vont aller chercher ce point de bonus offensif qui pourrait changer la donne dans leur saison, dans la suite de cette saison 2023-2024 complètement folle. Yanis Charcossé qui s'arrache, qui résiste à Gavin Stark. Il avait déjà marqué la semaine dernière. Il récidive, le talonneur remplaçant, et on peut se féliciter, se congratuler. Côté lyonnais, parce que là, ils sont passés, alors pas de l'enfer au paradis parce que la victoire elle était assurée, mais formidable, formidable capacité de réaction de ce Loup qui l'emporte 43-26. Succès magnifique et succès mérité dans une deuxième période qu'ils auront globalement maîtrisée, et succès surtout bonifié pour le Loup, 6 essais à 3.